La muscu. Faire du sport, à quoi ça te fait penser? On connaît tous des gens qui vont à la salle. Et il y a des gos muscu qui font n'importe quoi, par exemple. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais il va le tuer! Mais frérot! Arrête! Mais qui s'entraîne là? C'est celui du haut ou celui du bas? C'est un peu bizarre d'ailleurs, sorti de son contexte quand j'y pense. Normalement c'est la personne dessus est censée l'assister au cas où la barre elle tombe. Bon là c'est déjà assisté avec la machine, mais ouais, c'est hardcore. Vraiment genre j'ai mal pour eux. Disclaimer, c'est facile, c'est marrant dans nos chaises de réagir aux gens qui essayent la muscu. Mais en vrai, légitimité, allez on va dire 1%, non? Même ça? Ok, zéro. Yo oh oh, comment il est en vie? Le gars là, il a l'air trop normal. Là le sol a aspiré ton âme en fait, genre c'est obligé. Why? En plus il avait des poids hein, il est pas juste tombé comme ça, tout seul. Il est tombé en plus avec des poids dans sa... Oh vas-y, c'est dangereux. Non mais là les gars vous avez forcé. Wesh, non mais frérot. J'espère qu'au moins la personne qui a filmé sa vidéo elle se dit c'est bon, je vais faire mon million de vues, ça a pété sur Vine et tout. Mais, au moins va lui dire hein. C'est comme lui, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Attends, qu'est-ce que c'est? Peggy 18. Mais qu'est-ce que tu fais, frérot? Ou alors, non mais alors lui, il n'y a plus d'espoir. Je suis Spider-Man, fils de p***. Les gens, ils ont probablement peur, en fait, de les approcher. Ça se trouve, ils comprennent un langage qu'on comprend pas, hein. Qui sait... Wow. Alors, non mais, toujours plus. Non. Mais là, s'il te plaît, vas-y, on est avec toi. Mais là, allez, tu es presse. C'est bon, même le présentateur, il est quoi? Non. Je sais pas, j'ai une vanne en tête, mais elle est méchante. Et il s'est effondré comme la carrière du gars de Colonel Riel. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Ta gueule! Qu'est-ce que j'avais dit? Je sais pas, j'ai une vanne en tête, mais elle est méchante. Ça, c'est des gars qui font du strongman, genre le but c'est de soulever le plus. Mais là. Oh non, franchement, pensez à lui. J'espère qu'il va bien. Hein. Oh vraiment, il a déversé la responsabilité sur le poteau derrière. Genre vraiment, le gars s'est tout pris. Regardez, hop, il la lâche à la pepe. Tranquillement, genre vraiment, faut pas se prendre la tête. En fait, j'essaie de me mettre à la place de la personne. Quand il fait ça, déjà c'est sûr il l'a pas trouvé sur internet, personne n'a pu lui expliquer. C'est dans sa tête, il se dit bon j'ai besoin de bosser, c'est parti du corps, je veux faire ça. Ça se voit que c'est nul. Enfin je sais pas. T'imagines, tes ancêtres te regardent et te voient faire ça. Alors lui il a passé une mauvaise journée hein. Gros, il doit se défoncer les articulations. Pense à ses jambes. Oh j'ai mal aux jambes soudainement. C'est bizarre. Wow. Gros, oh on dirait un scorpion son dos gros. Mais vraiment non, on dirait même mieux. On dirait une table à manger son dos. No joke. Normalement je sais qu'il faut faire ça mais à ce point. Non mais là c'est tout. Il y a zéro amplitude. J'essaie de faire le mec à utiliser des mots clés mais... T'inquiète. Mais non. Mais alors là, pareil, je le mets dans la catégorie de comment ça s'est passé dans ta tête. Les neurones sont comprimés, mauvaise circulation du sang, forcément, il cogite pas bien le pélo. Imagine la machine te tire, tu te tapes contre la... Non, il y a trop de possibilités de se faire mal. Et j'ai pas l'impression d'être particulièrement intelligent en fait. Mais c'est juste que du coup j'ai l'impression d'être intelligent en regardant ça. Et c'est ça qui est agréable. Et si ça vous plaît, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes perspicace, cliquez sur le pouce bleu. Alors là, je suis sans voix. Mais laisse-moi dormir un simple. Waouh. En plus la personne elle en a tellement rien à faire, elle dort en même temps, genre. Il y a trois actions qui sont réalisées en même temps. J'admire hein. Coudre, dormir. Mais toi tu dois dormir. Et travailler les mollets. Comment muscler vos mollets? Enfin si on appelle ça travailler. Ouais mais alors là. Imagine même tu t'entraînes pas à la salle de muscu, tu vas pour la première fois pour tester, t'as un pote qui t'a motivé, tu vois ça. Comment tu réagis? Mais gros, mais tu t'apprêtes à faire un plongeon, c'est quoi le délire? Tu crois que lui, il t'accueille comment chez lui? Tu crois qu'il te dit juste bonjour d'enlever les chaussures? Non. Bon alors lui, on sait... Franchement, zéro commentaire, je vais même pas dire. Vas-y, je dis rien. On dirait un enfant qui joue, je te jure. Genre, on dirait vraiment un enfant qui joue, qui... Regarde comment il se... Mais attends... Non mais frérot... Non mais là, t'as pensé... Ah mais il fait le truc de Michael Jackson. Non mais alors lui là, non mais qu'est-ce qu'il fait? Mais regarde même sa tête, c'est visuel, ça se voit qu'il y a un problème de circulation du sang, regarde il est tout rouge le pauvre. Donnez-lui à boire. Yo, non mais pourquoi vous faites ça? C'est quel type d'entraînement ça? Pendant qu'elle fait ses squats, il faut lui taper dans les fesses, c'est bizarre.
Non mais frérot, là là, non mais ça, mais non, tu dis pas lui, il va pas faire d'erreur comme ça, mais là. Ah non, dis pas, ah non, t'as pas le droit de lancer le poing dans l'air en mode t'as réussi, c'est pas possible. C'est pas à moi de lui dire ça. Tu crois qu'il va m'écouter moi? Je sens le mouvement en vrai, mon chéri. C'est comme si tu voyais un chanteur reconnu chanter faux, mais que personne lui dit qu'il chante faux. Là, y a des gens qui vont dire ouais bah ça c'est le cas de nanana. Ok, l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, on en a la preuve. Moi, c'est le bruit qui me tue le plus, hein. On dirait le bruit d'un petit chien qui a mal. Non, mais no joke. C'est peut-être le bruit de la balle. Pause. Alors là, si vous vous mettez dans ces positions, c'est normal à la fin. Il n'a pas utilisé des poids sur sa barre. Il a utilisé un serpent. Toujours plus. C'est quoi la prochaine étape? Mais pourquoi ils lui font faire ça? Mais attends, mais ils lui font faire la pire torture après marcher sur des Lego, je dois le dire. Se prendre un coup de trottinette dans le tibia, c'est horrible. Oh putain! Ah non, mais c'est une vanne, c'est une vanne. Oh, c'est horrible là ce qu'ils lui font faire. Oh, c'est pas drôle. Ça se fait de prendre la barre comme ça, en faisant cet exercice? Ça me paraît... Ok. Oh, ses jambes, j'ai peur. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais t'es mal à char. Ouais, toujours plus. Toujours plus. Il va se péter les jambes. Arrête arrête de tendre les jambes comme ça. C'est bizarre. Alors là, ça c'est une nouvelle technique. Non mais attends, le gars il a joué avec la physique là. On fait un replay. Il a été emporté dans le 180 de la barre. C'était un semi backflip. Vraiment un semi, hein. You had one job, non? C'est ça l'expression. Ok, il avait un truc à faire, c'est de tenir la barre, il l'a lâché sur le côté. Alors là, on a une entité extraterrestre. On dirait un poteau électrique, le poteau, genre vraiment. Regarde. Oh là là là. Oh, c'est un art, hein. Oh, on a vu le petit mouvement de jambe. C'est tout un travail. Si tu dois enlever tout ton attirail comme ça, c'est qu'il y a un problème. Deux barres? Mais on dirait pas le gars dans Star Wars là qui a 4 épées laser. Il ressemble un peu au général Grievous avec les deux haltères comme ça là. Salut à tous. Non mais vraiment. Oula. C'est pas normal si tu lances les haltères comme ça. Allez, frérot, on est avec toi. Soulevez terre. Oh merde. Oh. Il a réagi quand même. Oh! Putain, mais t'en as trop, ils prennent tarif, les pauvres! Tu vois, c'est des gentils en plus. Oh, c'est dégueulasse. Oh non. Ah non, c'est dégueulasse. Non. Ouais, ça se voit, le Covid, il était loin à l'époque, hein, de ces vidéos. Oh, le frérot, il a utilisé Alter en massage de pied. C'est dégueu, dégueulis, dégueulasse! Abruti, vous pouvez donc rien faire de propre! Putain, là, sur l'échelle de j'en ai rien à faire, on a atteint un nouveau seuil, hein. Allez, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Ça va être la faute du gars qui soulève ou le gars qui l'assiste? Ah, il a dit, il va le faire une fois. Allez, une fois. Celle-ci, elle fait plaisir. What? Personne n'a eu mal, pas de blessés, quoique, il y a peut-être eu 6 blessés. Malubulul. J'espère que cette vidéo vous aura détendu. Si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton rouge, vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos. Tous les vendredis à 18h03, vous connaissez les beaux. Allez, on se fait une roulette des plaisirs? Au plaisir des yeux. Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.